Les gars, nous revoilà. Donc, j'avais soigné mes Pokémon. Maintenant, il ne reste plus qu'à continuer les combats. Ah, là, il y a quelqu'un, là, il y a un méchant. Là, l'objet que j'avais pas pu prendre autrefois. Voilà, parce qu'il y a une dame qui était assise là, si vous vous souvenez bien, et elle m'empêchait de passer pour que je puisse prendre ça. Maintenant, c'est bon. Et combat. Et toi, si tu oses ne serait-ce que me regarder, tu vas le regretter. Ah! Et oui, encore un combat, c'est parti. Oh, un petit œuf et un mouton. Alors, je propose de faire ça. Bon, ça les a bien. Mais ils sont pas encore calmes. Encore un tour de nécessaire. Et attention parce qu'il a 4 Pokémon. Voilà. On va faire ça. Et ça. Changer. Allez, un de moins. Au suivant. Et je vais finir ce combat avec le niveau 30, ça c'est cool. Oh, un petit cœur. Tout à fait KO. Voilà, je vais droit sur le niveau 30. Morsure ici. Et Flamèche ici. On est bien d'accord les mecs, le Flamèche sur le joli fleur, il va pas faire un feu pour petit Pokémon. Ah, je pensais que ça allait faire plus que ça, hein. Alors là je suis surpris. Je suis extomaqué même. C'est tout ce que ça lui a fait. Je vais cramer ses pétales. Hein. Bon bah puisque c'est comme ça, bah, j'attaque sur l'autre. Non. Et là, je vais te faire. C'est quoi là? Onde folie. Ouais, la place de jet de sable, ouais. Je veux bien, ouais. Ça me tente. Le jet de sable, c'est pas terrible hein, comme attaque. Onde folie, c'est mieux. Pour rendre son adversaire fou. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, c'est pas vrai qu'il va me paralyser. Eh bah si. J'en fous, il y a un truc pour soigner les Pokémon juste à côté. Ah, mais il est fort ce joli fleur là. J'attendais pas ça moi. Il a résisté assez longtemps. Hein. Il a fallu au moins 3 rounds pour. Tu es étonnant, tu as balayé mon plan de bataille. Oui, bah, je m'en fous, moi. Je suis
J'ai autre chose à foutre pour le moment. Ma fille et moi étions seuls, je nous croyais perdus. Merci du fond du cœur. Ouais, merci de nous avoir sauvés. Ouais, ça fait deux fois que je vous viens en anglais. Alors, je vais soigner vos cannes. Encore un combat. Hey, oh! On stoppe le matériel ici, c'est dangereux. Je me demande pour qui c'est dangereux. Hein, qu'est-ce que tu veux, gamin? Pousse-toi de là, sinon tu vas te faire mal. C'est toi qui vas avoir mal, là. On va perdre face à moi. En plus, il y a des Pokémon pas forts, donc c'est bon. Allez, ça c'est fait. Est-ce que t'as des Pokémon obscurs au moins là? Ah, l'évolution de Togepi. Ah, quand c'est Noctali qui attaque là, et on rigole plus là en face. Hein. Un cas d'oiseau. Tout mettre sur lui. Il est un peu plus fort que l'autre. Ah bah j'ai eu d'un coup. Bon, finalement il était pas si fort que ça. Hein. Ouais, ça c'est bien. Ah. Lui il a moins de niveau que l'autre, mais il résiste plus longtemps. Oh, c'est pas vrai. Il m'a mis confus. C'est pas grave, hein. Ça m'empêche pas de gagner. Hein. Là, je pense qu'on est presque rendu, c'est même sûr, on est presque rendu à net. Je vais ouvrir ça, maintenant il me laisse faire maintenant. Ah oui, c'est un PV+, je l'utilise maintenant les mecs. Alors ils m'ont rangé où? Là. Utiliser. Pas sur Nathalie évidemment. Hein. Qu'est-ce que c'était? C'était comme si on filmait une scène d'action. Il se croit aussi neuf, lui. Il y a un truc là. Et toi, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Ok. Ouais. M'énerve. Hein. Je l'ai aidé en plus. Je suis très fort, je te préviens. Prépare-toi à prendre une bonne raclée. Ok. Au fou, il y a un truc pour soigner des Pokémon juste à côté. C'est pratique ça. Une libellule. Alors. Non, je vais mettre poursuite. Ça et puis ça ici.
Ah, c'est pas terrible ça. Bon, la libellule, elle devrait cramer tout de suite. Ouais, c'est bon. Fais ça de moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous envoie cette fois? Un Pokémon Spectre, Feu Forêt. Pour l'instant, je mets tout sur lui. Hein. Ouais, j'ai plutôt bien fait. Quoique. Non, c'est bon, j'ai cru qu'il avait mis une protection pour pas que je puisse l'attaquer. Ah la vache, mais c'est qu'il est résistant là. Ça me plaît pas du tout ça. Hein. Ah bah voilà quand même. Encore un Pokémon Spectre. Skelenox. Ah, obscur. Je l'attrape. Oh là là. Ouh. Ah, j'ai eu peur. Hein. Oh la vache. Bon bah, prochain tour, j'en sais Pokéball. Là, c'est nickel. Nickel, nickel. J'ai flippé, hein, par contre. J'ai cru que j'allais me KO là. Alors, je vais mettre ça là, et là, objet, Pokéball, voilà. En plus, je pense que c'est le premier Pokémon Spectre que je capture. Le tout premier. Oui, c'est bon, j'y croyais, là. Dur comme fer. Ça c'est fait, une bonne chose de faite. Une deuxième bonne chose de faite. Victoire. Soigner Pokémon vite fait. Faut être tranquille après. C'est pas très urgent mais. Que se passe-t-il? Que vient faire un dresseur comme toi ici? Bah je viens foutre la merde. Non je rigole. Je viens parce que j'ai pas trop le choix en fait. C'est vous qui foutez la merde en fait. Du coup bah je suis obligé de venir pour régler vos conneries là. Oh Eden, ces gens sont entrés et ont été odieux. J'ai essayé de les arrêter mais en vain. Bon, encore un combat les gars. Stop, tu peux pas aller plus loin. Va te faire foutre. Encore un mouton. Ça c'est mes Pokémon fétiches et de là dans le jeu. Alors, je changerai peut-être au bout d'un moment. Hein. Alors là, pour le moment, concentrons-nous là-dessus. Moi, je mets tout sur Kadabra, allez, hop. Ouais. Il se jette sa cuillère sur la tête. Comme ça, ça l'assomme encore plus. C'est bête, hein. Oh, un gorille, maintenant. Alors, on va un temps.
voiture. Top. Oh non, on l'a pas eu. L'attaque, elle a été trop forte là. Oh, je suis deg. Bon, une autre fois. Et ça, faut éviter à fond, hein, parce que donc, je sauve tous ces pauvres petits Pokémon. Niveau 24. Oui. Non, c'est pas normal. C'est vous qui êtes pas normal là. Vous venez foutre la merde là. Ah oui, j'ai voulu, cool. Je vais avoir deux molos, yes. Je voudrais bien leur flamme aussi. Ils vont peut-être me le proposer. Que flammèche, c'est bien, mais. Quand t'arrives. Niveau 24, 25 quand même. Un petit lance-flamme, ce serait dommage, il me le propose pas pour le moment. Merci de ton aide, je ne pouvais pas même. Ah, je ne pouvais même plus monter la garde. Mais peu importe, ils ont pris Sylvie en otage, ça c'est important. Ils l'ont emmené dans cette pièce. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu dois aller aider Sylvie. Ouais, je vais. Maintenant, tu vas nous rendre ce disque ROM. Il fallait que tu t'en empares forcément. On ne veut pas te laisser net. Si quelqu'un est capable d'accéder aux données, c'est bien toi. Bien, laisse ma soeur tranquille. J'ai le disque ROM sur moi. C'est bien. Lance-moi ce disque ROM maintenant. Je te remercierai pour ça. Au fait, dis-moi, si tu m'as rendu le disque ROM parce que tu as sauvegardé les données ailleurs, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Mission accomplie, nous avons nettoyé tous les serveurs de l'ONBS. Il ne reste absolument rien. Quoi? Ah, c'est ça dont je te parlais, ça doit te briser le cœur. Merci de nous avoir si bien reçus. Nous devons partir. Tiens, je te rends ta soeur. Net. Tu as bien suivi. Et moi je vais arrêter ce gros ballon. Hein, qu'est-ce que tu fais là, sale môme? Je te conseille de dégarpir, hors de ma vue. Là, tu vas rendre le disque à mon ami là, sinon moi je vais te buter là. Ok, il veut que je les bute, bon bah c'est parti. Hein. Il va regretter. Voilà, un de fait. Après, on va faire la girafe. Ou pas. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, Pokémon. Ouais, il y en a d'autres. Des obscurs, peut-être. Oui, oh là. Aïe, ça fait mal. Eh ben, je fais Pokémon Obscur en dernier. Hein. C'est plus sûr. Ah non, 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 attendez, je réfléchis. On va mettre charge plutôt.
Le char, c'est pas très puissant. Dirait tout, on s'en fout, est-ce qu'il est pas obscur? Ah bah non! Ah bah non! C'est pas vrai! C'est pas mon charge à moi qui a fait ça quand même! C'est ridicule! Ah, je pensais qu'il y avait KO tout là par contre. Ah, c'est pas cool! C'est pas mignon! Non! Ah, ça c'est vraiment pas cool du tout! Hein. Bon, je vais envoyer qui? Lui, allez. Ah, j'ai peur de. Ouais, c'est risqué, hein. Je sais plus, moi. Je sais plus quoi faire. J'arrive pas à prendre des décisions. Des bonnes décisions. Ah, c'est tout. Bon, bah, ok. Hein. Bon, bah, je vais continuer sur Mercure, alors. Oh là 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 là. Allez, doucement là, vous. Mais qu'est-ce que je fous? Alors, merci. Oula. Le assaut noir, ça ne dure enlever qu'un seul P et pas plus. Hein. Il commence à bouger. Bon, je tente la fois qu'il vole tout de suite. Hein. Et si ça marche pas, on a un coup de morsure. En espérant que ça va le faire. Fait qu'il soit KO. Allez, viens là, fais pas chier là, viens, rentre dans ta Pokéball. Voilà, c'est bien. Je vais m'occuper de toi maintenant. Mince, t'es un pro des combats ou quoi? Bah un pro, je sais pas, mais ouais, je suis assez fort quand même. Ça alors, je m'y attendais pas. Mais j'ai le disque rare, je me moque bien du reste. Ciao. Purée, il a même pas rendu le disque, ce con. Ah Eden, ça va, on était dans un beau pétrin, merci à toi. Malheureusement, l'analyse des données n'était pas terminée. Ce satané groupe ombre. Nous avons quand même pu y avoir plus clair dans les plans du groupe ombre. Par exemple, nous savons que le groupe ombre est responsable de la disparition du Libra. Aussi, ils ont l'intention d'attaquer Phenacit. Hornet, c'est vrai ? Layla est partie à Phenacit. Elle voulait découvrir pourquoi les systèmes de communication de la ville sont coupés. Ça veut dire que le groupe ombre peut les attaquer d'un moment à l'autre. Eden, nous avons besoin de toi. Pourrais-tu informer le maire de Phenacit des intentions du groupe ombre? Yes, je vais le faire. Bon bah, on va aller à Phenacit. Ah, faut que je soigne mes Pokémon. Hein. Ah, et je voulais faire le tournoi, donc on va d'abord faire le tournoi. Hein. Oh, non mais. Là, pour le moment, là, le groupe ombre, ils doivent se remettre de leurs émotions. Là. Ils se sont fait battre à plein de coutures par moi. Donc, on a le temps de faire un tournoi. Ah bah, il est revenu à sa place. Enfin, à sa place. Disons qu'il bouge plus le passage, quoi.
Oh non! Oh, il y a ces deux-là! Ah, leur chef, leur patron, je sais pas quoi là, celui qui a une grosse touffe sur la tête là, il est dedans. Ok. Bon, je vais sauvegarder. Et on va commencer le tournoi, go. Par contre, j'aurais bien voulu faire déposer mon Galekid. Parce que lui, je vais prendre un obscur. Je vais prendre Goopix, par exemple. Ou oh, non, je vais prendre un autre. Allez, Skellinox. On va tirer. Voilà, ça je le garde. Et je regarde aussi où ils en sont. Bah lui il en est loin, je suis beau, et bah voilà. Ah voilà, c'est ça que je vais voir. Donc lui il est presque prévu. Bonjour, bienvenue au Colosseum de Périd. Voulez-vous participer au tournoi? Ouais. Vous souhaitez vous inscrire? Très bien. Désirez-vous participer avec l'équipe de Pokémon que vous avez en ce moment? Oui. Je vous souhaite de remporter la victoire. Bon courage. Évidemment, il veut remporter la victoire. Ah oui, les gars, je vais réussir. Ça devrait pas être trop dur. Ouais. À moins qu'ils ont des Pokémon au niveau 100. Ouais. Je suis ta première adversaire. Je vais te laisser sur le carreau. T'es sûr de ça? Faut pas parler trop vite, hein. Au mieux se taire, tu sais. Oh, deux petits Pichu, ils sont mignons en plus. Alors je vais faire ça et ça, voilà. Ils ont niveau 20, bon ça va. Avec Dixel, hein. Ah ça c'est pas cool pas longtemps. Dès le début en plus. Oh. Oh les poutis. Elle a que des petits Pokémon. Mais les poutis, je les trouve pas très mignons. Je préfère Pikachu. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez Pikachu à les poutis, voilà, je vais chercher le nom. Ou inversement. Alors, on doit dire. Et voilà, ce que j'en fais des poutis. Nounours maintenant. Avec son 300 lunes sur le fond. Ah, ça c'est pas cool ça. Il est paralysé. Par contre, je sais pas si les Pokémon ils sont guéris après quand on doit battre le prochain adversaire. J'espère, hein, parce que là, quand même, on est beau. Pas très pratique sinon. Vous savez, c'est un avantage à l'autre sinon. C'est la truc, je veux pas de ça moi. Hein. Bon, voilà, ça c'est fait. Ah, je sais pas combien il y en a à faire, mais. Je vais le dire au moins 4 ou 5. 3, 4, je dirais. Oh tiens, regardez qui voilà. Est-ce que tu peux surpasser mes pas de danse ravageur? Ah, il est horriblement moche.
Hey, t'es obèse des cheveux, mec. Alors, comment je fais? Il m'a l'air plus fort que l'autre. Ça doit être parce qu'il est gros, plus gros. Peut-être pas aussi gros que sa coupe du cheveu quand même. Ah, c'est tout. Je pensais que deux attaques, ça allait suffire, moi. Ouais, en fait, c'est bon parce que les Pokémon ils sont guéris à chaque combat, ça c'est bien. Alors, je vais changer, je vais mettre poursuite. J'ai mis Flamèche tout à l'heure, là je me fends. C'était peut-être KO avant, non? Non, même pas, hein. Faut que je mette tout dessus. Au revoir les Nicolo. À la prochaine, parce que je suppose qu'on va se revoir. Un simularbre. Ah ça c'est bien ça. Bien joué Démonos. Au moment un Flamèche là, ça doit suffire. Tous les deux des Pokémon plantes. Malheureusement, Nathalie n'a pas d'attaque de type feu, donc du coup, c'est plus des molosses que j'ai besoin. Voilà, ça c'est bien ça. Ah, je vois le niveau 32 et 25, oui. Tarsal maintenant. Obscur. Il a le droit d'emmener. Bah oui, parce que moi j'en ai amené. Donc, Pokémon Obscur dans le tournoi. Ils auraient pu dire non, non, pas de Pokémon obscur dans le tournoi. Ouais. Je crois que j'ai fait une connerie. Hein. Là, si je mets flammé sur Tarsal, là, je le sens mal. Oh là là, que je le sens mal. Ouh, je mets KO d'un coup, là. Non, je le capture. Ah, ça n'a rien fait du tout, wesh. Alors là... Ok, bon, écoutez, c'est bizarre. Bon bah charge hein. Et hop ça, hurlement. On va voir ça. Ouais. C'est pas trop mal. J'aurais préféré dans le rouge, mais bon. Mais fous-moi la paix maintenant là, tu vas entrer dans ta Pokéball. Oh purée, j'avais pas vu, mais non, mais je peux pas tout de suite, hein, il a récupéré plein de PV. Ah le con! Oh là! Ouh. Bon, là c'est nickel. Mais il a pas tellement piqué des points de vie. Hein. Hurlement, ça fait rien du tout. Putain, il m'a encore piqué des trucs. Enfin non, il s'est pas piqué, mais il se remet énergise. Ça me plaît pas du tout.
Ah non, pitié. Faites-moi pas gaspiller une Pokéball. Rentre dedans. Si tu veux que je t'aide. Voilà, c'est bien. T'as pris la bonne décision, c'est bien. Bon, et lui, il va faire quoi, une galipette? Avec les cheveux, ouais, ça va être un peu tout piqué. Hein. J'ai perdu le rythme. Oh, c'est pénible. On fait une galipette qui est tombée par terre. Ils sont crades. Hein. Il y a plein de microbes par terre. Alors, je pense, hein, dans le monde des Pokémon, les microbes, ça doit exister quand même. Tu veux te battre, ce n'est pas prêt de se produire. Ah, c'est ce que c'est pourtant ce qu'on est en train de faire, donc je comprends pas. Il est con lui ou quoi? Il y a un microbe dans son cerveau, c'est pas possible. Pas logique ce qu'il vient de dire. Il va pas faire mon feu lui. Alors. Encore un Tarsal. De toute façon là il n'y aura pas d'autres Pokémon dessus. Hein. C'était juste saute là avec ses gros cheveux là. De toute façon moi c'était Tauroi que je voulais faire à la base. Alors, qu'est-ce que je vais faire ça? Yippie ça. Ah oui mais non Flamèche ça avait pas marché tout à l'heure. Merde quel con. Oui mais attends, quand tu vois un Pokémon de type plante, t'as... Ah bah ça marche maintenant, ça marchait pas tout à l'heure. Oh là j'y comprends rien. Bon bah, bon débat. Voilà, ça doit suffire. Voilà. Est-ce qu'on a encore un autre dresseur? Là, c'était le quatrième, ça. Grrr, tu m'as battu, c'est bon. Ouais. Le cinquième. J'avais dit 4 ou 5, mais voilà. C'est 5. J'ai écrit final, donc... Tu me vois, tu remportes le titre, amène-toi. Ouais, bah je vais remporter le titre. Ouais, mais de Pokémon. Enfin, entre guillemets, hein, parce que là, c'est pas la Ligue Pokémon. Hein. De toute façon, il n'y a pas de Ligue Pokémon dans ce jeu-là. Hein. Alors, on va faire... ça. Non, non, vos techniques, là, ça va rien faire du tout sur moi. Hein. Ah oui, quand même. Je vais pas aller demain vers lui, hein. Un peu abusé mec. Dernier Pokémon. Bon, avant-dernier du coup, parce qu'il y a un par Négapi qui tient le coup là. Il va mettre KO. Oh là, le petit con, il a failli. Ah oui, en plus.
Vous êtes pas gentil. Hein. Ah non, je vais mettre poursuite. Ah, j'hésite. Oh là là, un péri. Non mais moi je m'inquiète pas, hein. C'est presque fini. Alors, hop, voilà. Pour l'instant j'ai eu zéro défaite. Depuis qu'on a commencé le jeu là. On serait peut-être arrivé au bout d'un moment quand même. Hein. Oui, on verra. J'arrive de perdre quand même des fois. Hein. Pas non plus extraordinaire. Eh bien, tu es bon, tu as remporté le titre. Ouais. Eden, champion du monde. Oui. Personne m'applaudit en plus. Oh là là. Félicitations pour votre victoire. C'était de magnifiques combats. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix de 3320 $. Oui, parce que 33 020, ça ferait plus quand même. Et c'était 31. Thank you very much. Mais c'est quoi comme c'était? Vous aurez pu préciser, hein, merci. Nous attendons votre prochaine participation avec impatience. Ok. Bon bah. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais m'occuper de Volter, voilà, qui était presque prêt là pour être purifié. Et après on va aller au nouveau lieu là, qu'on nous a donné. Après, on va aller là. Voilà. J'ai le temps d'aller chercher ma verve. Mon Pokémon il est presque prêt, mais il est pas très prêt. Mais... Promenade santé. Je vais aller voir si y a la pension Pokémon avec quelqu'un maintenant. Ça m'étonne rien. Hein, mais... Merci. Une baie cerise, ça, cette fois, c'est pas une baie marron. Ouais, il y a toujours personne au comptoir. Sinon, je pourrais déposer avec. Je prends... Elle prend pas les obscurs, hein, je prends. Hein. Faudra voir, mais il me semble faux. Hein. Alors. Ok, on va se balader un petit peu. Il est presque prêt. Allez, on a une bonne dizaine de tours, je dirais. Ah non, même pas, c'est bon, c'est déjà prêt. Go. C'est bien, t'as pas traîné, c'est bien. Après, je vais le déposer pour en prendre un autre obscur. Ah, ça aurait été bien que je donne un Pokémon électrique. Mais bon, faut que je m'occupe des autres aussi, donc voilà quoi. Non, pour le tournoi. Comme ça, j'aurais eu un Pokémon feu électrique et eau dans l'équipe. Mais comme je dois m'occuper de Pokémon obscur, il vaut mieux en prendre quand même au moins 3 ou 4 quoi. Je préfère.
que sinon on va être inondé après de Pokémon obscurs dans le PC. Là ça va parce que du coup j'ai tout ça de fait déjà. Alors c'est lui que je vais déposer. Et comme ça je peux prendre un autre Pokémon obscur. Non, c'est pas résumé, je voulais c'est retirer. Voilà. Vous pouvez le voir, il n'en reste plus que deux obscurs dans le PC. Bien, bon bah on y va maintenant. Faut que je prévienne quelqu'un en fait. J'ai bien compris. Et pour les Pokémon sauvages, on verra ça plus tard. Oh, c'est grand. Bienvenue à Phenacite et félicitations. Aussi fou que cela puisse paraître, tu es le millionième visiteur de Phenacite. Pour fêter cet événement, accepte ceci, une boîte Holog qui contient déjà des holodisques. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça, moi? Je me souviens plus du tout à quoi ça sert, ça. Bien, va donc faire un tour avec ça à la tour titanique, pas loin de la ville. Allez, allez, allez! Ah, je sais pourquoi. Ouais, mais non, plus tard. Je te vois venir, toi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais sérieux? Elle est vraiment une chaîne. Genre, je suis obligé, quoi. C'est louche, hein, les gars, c'est louche. Je la sens pas, celle-là. Bon, on est obligé d'y aller, hein, donc on y va. Ouais, comment on se fait mener par le bout du nez là? Moi j'avais bien compris que c'était pas une dame comme les autres. Oh non, pas eux. Une belle arnaque ces holodisques. Tu vois les Pokémon, mais dès que les combats s'arrêtent, ils disparaissent. À quoi ça sert si on peut pas les garder? J'ai dépensé tout mon argent, je pensais pouvoir obtenir un Pokémon rare. De l'argent jeté par la fenêtre, oui. Allons-y, on n'a plus rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on fait avec des holodisques? Ils servent à rien, balance-les, va. Moi, je les prends. Ils sont où? Bon, bah, je suis où, ils sont. Où les holodisques qu'ils ont jetés? Ils étaient là, Bon, je vois rien. Oh là là. Protéines. Ah ouais, ça c'est stylé. Imaginez, on a ça nous. Là, je vais d'abord voir sur les côtés. T'as des super boules. Que dalle, oui. Il a des rappels, par contre. Il devrait en prendre quelques-uns. Ah, pas trop quand même. 5. Mais là, c'est que des CT. Vendre, mais je crois que j'ai rien à vendre. J'ai envie de garder tout ça, là. Il n'y a qu'un client. On va aller voir à droite. Enfin, tout droit, non. Ah, je n'avais pas vu. Passe à côté tout à l'heure. Mmh.
Je m'en doutais. Ah mais quand même ils sont soignés là de toute façon. Ouais. On a pas besoin. Bon les gars, on va s'arrêter là. Et là-bas, on va faire ça pour le prochain épisode. Je sauvegarde.